La commission chargée de trouver des solutions idoines aux conflits internes dans quatre provinces sous la coordination du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, ainsi que les animateurs des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux, ont eu une séance de travail à Matadi dans le Congo central. Objectif, s'est penché sur l'épineux problème de la crise politique qui secoue les provinces, en l'occurrence le Congo central, depuis maintenant près de 5 mois. Éclairage avec Dadi Simbadio. Le Congo central est l'une de ces quatre provinces, à savoir l'Ituri, la Lomami et les Sankuru, dont leurs deux institutions provinciales respectives, à l'occurrence l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, ne regardent plus dans la même direction depuis plusieurs mois. Au Congo central, la crise est née suite à l'opprobre jeté sur la province à cause des scandales sexuels du dimanche 25 août dernier, dû à Ferma Mimi, dont le vice-gouverneur de province, Justin Louema Makosso, avait fait l'objet et qui, comme le procureur général près la Cour de cassation, avait désigné le gouverneur du Congo central, Atou Matouana Nkuluki, comme commanditaire de cette infamie. Pour trouver une solution à la dite crise, les deux acteurs au sommet de la province du Congo central et leurs adjoints ont répondu à l'appel du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tunde Akassende, en vue d'examiner minutieusement les conflits entre les deux institutions provinciales et établir ainsi les responsabilités. À l'issue de ces travaux, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Dr Pierre-Anatole Matosila Malongenine Congo, demeure confiant quant à la suite, en dépit du fait que quelques membres de cette commission de crise n'avaient pas pris part à la première journée des travaux suite à d'autres recherches d'État auxquelles ils étaient appelés de répondre. Tout compte fait, c'est à l'issue de ces auditions et échanges que le gouvernement de la République prendra toutes les responsabilités, les voies de sortie pour chacune des provinces concernées. Avant de prendre congé du palais de justice, l'honorable Pierre-Anatole Matosila Malongenine Congo a eu droit à un bain de foule en guise de soutien des fidèles et adeptes de plusieurs mouvements religieux et églises spiritualistes qui tirent la substance de leurs origines de quelques prophètes Congo à l'image de Simon Kimbangu, Simon-Pierre Mpadi, Ndona Beatrice Kimpavita et bien d'autres. Le respect des valeurs Congo et la toile de fond de ces soutiens témoignaient à l'égard de l'Assemblée provinciale du Congo central.